Aïssi Fouamsoum, bataille PM Claude Joseph avec Aïssi Fouamsoum, bataille PM Claude Joseph avec président dominicain, il prend l'autre dimension. Et définitivement, tout le monde est capable de voir clair qui est justement qui est bon côté président dominicain, qui c'est Luis Abinadel. Et son grave, et oui, il y a un président de la République et dans un pays a pas attaqué. Il y a un ancien premier ministre dans l'autre pays parce qu'il a pris des positions pour des Haïtiens et mais justement qui vivent dans le territoire parlant. On a traité de chef gang, on a mis le sous liste, même côté avec chef gang. Et automatiquement, fin fait, ou si je suis là, qui est-ce qui appuie ou qui est-ce qui rappelle PM Claude Joseph que Abinadel est traité comme chef gang, puis il passe par l'autre chemin, puis il prend l'autre dialogue, puis il prend l'autre et puis il dit l'autre parole. C'est une ambulance. Et c'est là, peuple haïtien, font-il prendre recul pour que vous réfléchissiez un peu, pour chercher, comprendre exactement qui ça qui cache derrière l'attaque que PM Claude Joseph apprend. Yo. Là, il m'a dit pour réfléchir. Et quelque part, moi-même, dans Infobeto, je ne sais pas ce que me dit peuple haïtien, famille, amis, plateforme, Infobeto. Qui ça que me dit? Moi, je dis, nous devons redéfinir la stratégie. Bataille que nous avons menée dans la Coupe d'Haïti contre les oligarques corrompus. Et c'est qu'on a mis comprendre exactement qui ça fait que sous présidence Abinadel, moi qui ai maltraité Haïtien plus en République Dominicaine. Bien que c'est normal pour moi-même. Pour gérer la question de la migratoire. Parce que le pas logique pour quitter nous envahir sans camper. Et puis comme si nous pas jamais mettre un contrôle sur ça, nous pas jamais mettre une restriction sur ça. Ça, moi-même, quelque part, je n'ai pas raison. Parce que ces territoires, il y a une sécurité qui a géré. Si quelque part nous sommes capables de présenter une menace pour eux, ils sont supposés gérer ça. Mais, comme dit une bagaille, en Dominicanie, c'est seulement des Haïtiens qui ont couru. Et moi, que ont entré la caille, ils ont fermé les Haïtiens en caille, les pays caille chaque mois, chaque 30, ok? Les pays courants, chaque 30, les pays de l'eau, les pays gaz. Les pays téléphone chaque 30. Si nous sommes capables de faire le cas là, avec visa que quelqu'un a mis là, si nous faisons le cas là avec visa, mais pour qui ça? Comme si nous faisons immigration, nous prenons dans le cas là. Après ce temps, nous faisons un contrat KL ensemble avec elle pour 6 mois, pour 1 an. Bien que la paye chaque mois. Mais contrat dans le contrat, c'est 6 mois ou bien 1 an. Ça, moi qui comprends. Et puis, moi, comme si je suis dominicain, après rentrer dans la caille haïtien, pour elle prendre, mettre une vie quand elle est sale, pour Haïti, ça lui fait me réfléchir en pile. Elle fait me réfléchir plus le moins que Boulos fait attaque sur PM Claude Joseph. Et le moins attaque Boulos fait contre PM Claude Joseph, c'est là que ça me comprend exactement la bataille. Mais justement, docteur Claude Joseph, français premier ministre du pays d'Haïti, tout de suite après note que le président dominicain était sorti, arrêté présidentiel il te prend parce qu'ils ont joué de quel son arrêté présidentiel que lié d'accord il prend selon la loi et c'est mon pas de problème c'est l'homme était PM Claude Joseph sous liste qui gagne tir l'appli qui gagne Chris là qui gagne l'homme sans jour qui gagne barbecue qui gagne comment il encore paquet l'autre criminel c'est le samoué gon bagay de ça et puis bon Dieu dans celle là pas j'aime pas peine sans secours. Moi, Boulos rapidement tweeté, il prend position bon côté président Abinadel, et puis contre, il attaque Claude Joseph. Là, moi, c'est enchaînement assassin président Jovenel Moïse qui continue à attaquer des gens qui ont goûté pour la vérité établie dans le cas d'assassinat président paysan qui est président Jovenel Moïse. Aïssé Fonsum, moi, quoi que nous, dans un cercle, essayez, foncez, regardez comment tu as éclaté, il se passe ça, ouais. Si nous ne pouvons pas mettre tête nous dehors. Parce que je dis, nous prenons un complot. Nous prenons un complot. Libanais décide pour détruire nous par n'importe qui moyen. Et ça, c'est la victime de Boa. C'est des attaques violentes qui ont eu. Attaques violentes. Immigration coup dehors. Ou pas camper. Ils ont foutu un coup de bâton dans la tête. Ou mourir ou mourir. Tu cours derrière tes quoi en machine? Ou mourir, ça va regarder yo. Aïe, c'est courir. Immigration dominicaine court derrière avec un motocyclette.
Et puis, il y a un gros coco macaque dans le mail. Il faut que tu aies un tête. En pile, là-dedans, il mourit. Pas jamais un gros monde, pas jamais un gros monde du tout. Dans le gouvernement qui levait le petit doigt pour dire un bagaille, jamais. Il va faire. Eh bien, docteur Claude Joseph, Patrick de Bois Croisé, hier, PM Claude Joseph prend la parole, mais justement, dans un live Facebook qu'il a fait sur page Facebook, li, et mes peuples haïtiens, dans cette émission, nous prenons le fort temps de déclaration PM Claude Joseph, lan, et puis nous prenons commenter et analyser ce qu'il dit dans la déclaration ensemble avec vous, justement, pour que nous puissions essayer de comprendre la position PM Claude Joseph par rapport ensemble avec l'arrêté présidentiel que le président dominicain prend et mettez sous liste qui gagnait des criminels notoires, des criminels, des assassins recherchés par la police nationale d'Haïti et recherchés par la justice américaine. Ça, c'est extrêmement dur. Et nous-mêmes, peuples haïtiens, nous pas de rete bois croisé. Nous croyons que le président dominicain, ou du moins peuple dominicain, pas jamais un ennemi pour peuple haïtien, même j'ai tout peuple haïtien, pas de droit un ennemi total pour le peuple dominicain. On croit que c'est une frange dans la communauté dominicaine justement qui a des problèmes avec haïtien, et il a très très longtemps. Nous pas qu'à faire contre ça. Moi, je crois que nous capables d'essayer bon côté autorité avec autorité, nous capables de régulariser la question pour plus ou moins dominicain gagne un créatif dans attaquer haïtien. Ça, c'est extrêmement important. C'est des questions de migratoire, c'est des questions de diplomatie qui pour gérer, politique migratoire qui pour gérer. En fait, Jean comme dit nous, et nous parlons, faut attendre et déclaration PM Claude Joseph dans le cadre de mission ça là. L'autre bagaille qui est extrêmement important, hier nous te connaissons, et dans tout partout, dans la Coupe d'Haïti, c'était mobilisation tout partout. Dans Ville-Jacmel même, son bagage extrêmement difficile. Ville-Jacmel complètement barricadé tout partout. Toute rue dans Jacmel barricadé. Ok? Pas de passe, pas de passage même dans Ville-Jacmel. Même j'en te connais, toute mobilisation qui est faite dans la journée qui était 7 septembre, toute mobilisation, ça a noté que c'est Ville Jacmel qui était victime plus. Il y a des policiers qui ont tiré à bout portant sur des manifestants, des manifestations qui ont fait Jacmel. Ça, nous déplorons, nous disons que c'est inacceptable. Je ne crois pas que pour les policiers qui ont tiré balle réelle sur des manifestants qui ont manifesté pacifiquement, ou du moins qui ont barricadé la rue, qui ont tiré sur la police. L'autre, on capable comprendre qu'on tire en l'air, ou du moins vous voyez gaz lacrymogène, ou disperser foule là. Mais l'autre tire sur la boue portant, et tout le monde prend balle réelle. Ça veut dire que vous attaquez la population civile là. Vous m'avez dit la guerre, ou tout y en a yo, et de fait, vous allez chercher dans vous, tout y en a ou tout. C'est comme ça que lié, c'est win-win que lié. Des policiers ne sont pas capables vivre dans la population, ou qu'on est même douleur, même misère avec la population civile là, et pour tirer sur vous, tout y en a. Laissez vous attaquer, famille policier, amis policiers, reste population. Alors, famille. Et victime, yon population civile, nan, qui victime, nan, yon pas l'attaquer ou même qui se bat des policiers. Et il a de bonne guerre. Ou touye des moun, yon a le touye tout. C'est comme ça que lié. Parce que Haïti, faut que ça suspende. Criminalité, faut que le suspende. L'on a fait un bagage, un pas jamais volant, faut que le suspende dans le pays. Si l'on fait un crime, il te tourne sur l'autre femme ou bien sous même femme, nan, tap gen l'autre nek qui t'a pris exemple, yon pas jamais continuer faire crime sur la population civile. Ça, moi-même, je déplore, et me dit, peuple Jacques Mellan, nous va prendre responsabilité nous contre criminel assassin qui a tiré sur nous, qui a battu nos balles, qui a tué nous. Est-ce que vous comprenez? Nous va prendre responsabilité nous. Jacques Connel, pas de paix continuer à manifester, pas de paix continuer avec le mouvement barricadé. Nous connaissons que moun pas de paix manifestation par eux même, c'est des revendications qui sont justes. Et normalement, yo gen deux bateaux qui te conserve moun pas de paix moun nord-ouest. Bateau ça c'est pour petit port de paix, ok, c'est bateau Miss Lily et puis bateau El Shaddai, bien que nous parlons une interview ensemble avec maître bateau propriétaire bateau El Shaddai là, et justement moi qui après midi nous capable gagner l'émission, et parce que mon port de paix revendication par les juste, non seulement yo a bataille contre et abus que voyou criminel n'a pas de fait à faire sous yo. Et yon continue à demander partout. Gouvernement criminel assassin, qui c'est Ariel Henry définitivement. Parce que yon connaît que Ariel c'est un monde qui participe à l'assassinat président Yohan, qui c'est président Jovenel Moïse, qui t'a fait route pour yo, qui t'a mis courant pour yo, qui t'a fait plusieurs débouchés dans la zone nord-ouest. Parce que nord-ouest c'est une zone qui est complètement abandonnée, qui est une zone que tout politicien a fait. Et t'as coupé au plan, t'as utilisé nord-ouest pour faire capital politique chaque 5 ans, ou bien chaque 4 ou bien chaque 6 ans. Président Jovenel Moïse était fin avec ça définitivement. On question bagaille route kafou Jean face à Foleur, Jovenel Moïse était complètement fin avec ça. Il était dit comme ça que n'est pas possible pour chaque 5 ans pour les gars parler de route kafou Jean face à Foleur, on fait capital politique ou et ou pas jamais poser une action qui concret
pour que vous cafouez Jean-François en sa volée, il fait définitivement. Jovenel, tu as démasqué ça définitivement, beau plan, tu as déclaré Jovenel Moïse de la guerre. Et c'est une bagaille qui fait beau plan. Tu as vu de l'huile n'importe où prince contre Jovenel Moïse et qui n'a pas jamais de proposition pour Jovenel Moïse, malgré le président Jovenel Moïse, tu as envie de prendre comme premier ministre ou bien bah, tout le gouvernement et, sauf la présidence. Peuple haïtien, nous avons en pile bataille qu'a fait. Cap haïtien levé campé, continuer mouvement mobilisation. Moi, ouais, que tête chargée, Johnson Napoléon continue à frapper avec Moïse Jean-Charles, continue à questionner Moïse Jean-Charles. De bagarre pour Moïse Jean-Charles pour que de bagarre qui concret contre les oligarques corrompus qui la bataille, contre les banquiers, Moïse pas qu'à prouver. Et Johnson met cop de yo. Pour Moïse Jean-Charles prouver, Moïse pas qu'à prouver. Johnson met $5,000 de yo. Peuple haïtien pas qu'à prouver. Fanatique Moïse pas qu'à prouver. Wendy Fell mette $5,000 en plus. Fanatique Moïse Jean-Charles pas qu'à prouver. Foucault Tactique 69 mette $10,000 sous lit. Fait $20,000 américains. Pas une pièce moun dans le pays d'Haïti. Pas une pièce fanatique Moïse Jean-Charles qui est capable de prouver yon côté que Moïse Jean-Charles te prend décision du moins que te envie votre loi ou bien yon projet de loi. Contre les oligarques corrompus qui ont franchise dans le pays d'Haïti. Contre groupe nèg qui dans banque, pas un nèg qui a prouvé ça du tout. Ça veut dire que Moïse Jean-Charles sont extrêmement sont nuls, sont voyous, sont criminels, sont assassins qui font politique dans la case brisée. Le langage politique li, c'est violence seulement, c'est utiliser la violence, utiliser souffrance peuple pour faire capital politique définitivement dans le pays. Mais justement nous connaissons débat pas prêté là parce que Moïse Jean-Charles nous dépasse étape ça, nous connaissons que son bataille Claude Joseph entre la République dominicaine et son bagage extrêmement dépassé dimension Moïse Jean-Charles, nous croyons que haïtien supposé prendre côté. Alors prend et position pour haïtien, ça veut dire que c'est que son bagage est Patrick a géré et sur son patriote ou de prendre une proposition pour Haïti, dominicain proposition pour dominicain ou même supposer proposition pour Haïti. On pas besoin connait appartenance politique, on pas besoin connait justement qui ligne politique ou y est définitivement. Mais moi crois que ou capable prendre position pour haïtien même j'en ensemble avec vous. Peuple haïtien, nous va prendre responsabilité nous. En dedans émission ça, nous voilà qu'on en pile qui choye. Matin là même, nous crois que en pile mobilisation, en pile haïtien commencer débarquer devant aéroport international tous en ouverture là parce que haïtien dit ça clairement. Yo pral recevoir criminel assassin Ariel Henry qui fait connait que l'Italie rencontrer avec des investisseurs étrangers qui ont vivi investir dans le pays d'Haïti. Et puis, nouvelle là, tout le monde démentit. Même Jean-Togon, journaliste dans le pays d'Haïti, qui est le Jean Ismaël Valestin qui démentit la nouvelle là. Il faut connaître que Ariel Henry est malade, Il a pris soin dans l'hôpital aux États-Unis d'Amérique. Aïssé Fomsom, c'est toute nouvelle ça. Il y a un cap de l'actualité à nous partager ensemble avec vous. Dans la émission, ça qui va attendre nous, qui va regarder nous, je vous dis là. Je dis bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous, qui va regarder nous. Encore une fois, gens que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi. Pour que je m'en avec nous. Pardon. Encore une fois, gens que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi. Pour que je m'en avec nous. Et ça vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager mon moment avec nous. Et que je me connais, nous allons réagir exactement avec les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Et bien oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'académie sur Panouan, qui passe sur la plateforme Panouan, qui est sur la plateforme YouTube. Info Bertoua. Pardon. Et c'est très important. Ça que vous comprenez, ça que vous appréciez, ça que vous aimez de travailler là, et vous capable partager ensemble avec nous dans la démission Paul, dans l'espace commentaire là, justement, qui passe sur la plateforme Paul, qui est la plateforme YouTube, Info Berto, parce qu'il est très intéressant pour qu'on fasse ça, pour qu'on partage ça ensemble avec nous dans la démission. Pour responsabilité, nous, peuple haïtien, il y a un combat, abstiré ton combat, Boulos continue à attaquer nous, et de fait, il faut que nous mettions une création dans tout pour nous continuer à attaquer. La famille Boulos ou bien Reginald Boulos ou du moins les oligarques corrompus qui ont attaqué les Haïtiens juste jouk dans zo. Prend responsabilité nous, en pile motocyclette, en pile machine déjà prend direction aéroport international tout sur le vêtement là. Nous ne disons pas bêtiser, nous prenons chercher Ariel Henry exactement en foule, en pas en masse devant l'aéroport là pour aller prendre criminel là, pour aller prendre assassin. C'est à France Mavel là pour faire ça. Ou quoi, on va pas faire le vrai, les Haïtiens nous avons responsabilité nous. Rete là, nous allons parler qui choye. Genban, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel.
Genzouti, c'est une crème qui est formulée à partir de produits naturels. Objectif, lui, c'est augmenter l'élasticité dans le tissu spongé pénis, là, qui est peau pénis. Là. Et en même temps, il est pour nettoyer le corps caverné pénis, là, qui est veine pénis. Là. C'est toutes des actions qui peuvent permettre les pénis là, en érection, ils peuvent recevoir plus de sang et puis ils peuvent détirer dans la longueur et dans la largeur. Évidemment, on a pris dans le dossier Cap-Domine d'actualité, qui est le dossier PM Claude Joseph, là, entre PM Claude Joseph et le président Luis Abinadel, justement, papa haïtien. C'est le dossier ça Cap-Domine d'actualité à un moment. Justement, pardon. Aïe, aïe, aïe. Justement, PM Claude Joseph répond au président Luis Abinadel hier, non seulement il écrit sur son note, alors, et secrétaire général. Et ex-premier ministre là et yo sorti note et en plus tout docteur Claude Joseph te prend la parole dans un live Facebook qu'il te fait sur page Facebook li définitivement que nous pral tande ensemble avec nous pral tande avec en pile attention info Beto après le tande et puis nous pral commenter ensemble tout de suite après nous fin tande déclaration docteur Claude Joseph yo. Parce que nous trouvons que c'est extrêmement important déclaration ça yo pour nous analyser yo et de comprendre mieux bataille que docteur Claude Joseph a mené PM Claude Joseph a mené pour regarder comment haïtiens qui immigré leur blood bon frontière ou du moins dans quelque soit pays sur la terre pour ta plus ou moins joindre meilleur traitement parce que si que quelque part yo la kayou utilise yo. Tout ça qui est pour avec construction en République Dominicaine, c'est haïtien qui fait. Moi même moi fait constat à l'unanimité. À 100% et même à 1000%. Tout ça qui est pour avec construction, service manuel yo, tout c'est haïtien qui fait yo. Et qui a des techniciens tout. Tout building, tout appartement, tout casa, tout bagage net qu'a fait en République Dominicaine qui rapport avec construction, c'est haïtien qui fait. Ou ayon ressource qui nous gagne cap gaspiller et au très compétent. Là au bas au plan, yo exécute normalement. Pas gagné ouais. Ça veut dire que nous avons pile ingénieur haïtien. Nous avons pile monde qui très compétent, ça nous veut le contre mettre la République Dominicaine le maître. Les Dominicains ont exploité, mais ont maltraité. Ils ont été très vulnérables. Imaginez qu'ils travaillent sur un chantier dominicain, pour une compagnie dominicaine. Ils ont fait 3 mois au papier, ils ont été sous parole. Lorsqu'ils ont essayé de révolter pour qu'ils payent, sur le 3e mois, parce que c'est un peu de temps, chaque samedi ou chaque 15 jours, ils ont fait 3 mois au papier. Les Haïtiens ont revendiqué, et gardé le gardien pendant le fermé dans le chantier, ils ont immigration encerclé tout l'espace là net. Il prend tout le monde qui est dans l'espace là. Tournez. Alors, ici, on va mettre la lague ou l'autre frontière. Tournez, grain par grain. Mais il y a pas de discussion. Il n'est pas au courant. Comme qui est sous chantier, il te prend. Il pas payé ici. Il maltraite nous. Il maltraite nous en pile. Et nous avons le temps de dire ensemble avec. Toute déclaration, docteur Claude Joseph là, et puis, n'a pas tourné tout de suite pour commentaire et analyse. Très intéressant. Docteur Claude Joseph, on avance. C'est mieux, nous connaissons raison déjà. C'est parce que moi, dénoncé à plusieurs reprises comment président Abinadel a utilisé question Haïtia pour le café tête li en santé politique la Kaili et pour le assurer un leadership dans la région. Ce n'est pas parce que le généreux, c'est parce que effectivement l'a utilisé Haïti comme un pion. Et moi-même, moi j'ai une chance et chaque fois que j'ai occasion alors, moi dénoncer ça. Nous connaissons pour qui ça? C'est parce que ma bataille contre traitement que haïtien fait action nous après en République Dominicaine en bas main ultranationaliste. Nous connaissons pour qui ça? Nous connaissons parce que ma bataille
moi pas vle que ultranationalistes yo croient que yo ka fait Haïti tourner ti la cou de la caillou. Ti la cou de la caillou politiquement et économiquement. C'est pour raison ça yo qui fait Louis Abinadel sorti décision pour dire moi pas ka rentrer en République dominicaine. Frère Axemio, moi dois dire nous ça. Moi pas considérer ça comme une sanction. C'est pour moi un honneur parce que m'a continué bataille, décision ça, li pap intimidé. M'a continué dénoncer abus qu'a fait sur Haïtien. M'a continué exiger que relation nous gain avec République dominicaine nan son relation qui harmonieuse, son relation qui fait dans la paix, mais son relation qui aller dans respect une pour l'autre. M'a continué m'a dit ça parce que moi-même l'aime t'es chancelier, moi t'ai développé de très bons rapports avec la République dominicaine. Même pas de jamais rater une occasion pour me dire, si vous voulez un bon rapport avec nous, même si vous voulez un bon rapport avec nous, il faut que si span utilisé dans le discours officiel, deux thèmes très péjoratifs sur Haïti et Haïtien. Nous songez, expérience ça. L'aime t'a en République dominicaine, moi t'ai rencontré avec le président Abinadel, moi t'ai rencontré avec ministre des Affaires étrangères là, moi te dis ça clair. On nous suspend avec narratif négatif sur Haïtien à Haïti. Ça veut dire on suspend pas Haïti à Haïtien mal. Mais si c'est ça qui fait que me signe une lettre condamnation, moi déjà condamné. Frère Axemio, je dis à est extrêmement important. Si Louis Abinadel prend décision ça, c'est parce que il pensait en Haïti pas un bon patriote. C'est parce que le pensé n'a qu'à quitter décision en passé comme ça. Au monde qui était ministre des Affaires étrangères, qui était premier ministre dans le pays, ou mettait dans une liste beaucoup côté de chef de gang. Il voulait dire qui ça? Il voulait dire que chaque fois qu'un dirigeant haïtien qui campait pour dénoncer mauvais traitement, qui campait pour dénoncer abus que haïtien yo a victime dans la République dominicaine, eh ben c'est un gang. Chaque fois qu'un haïtien qui dit qu'en pégadé dominicain, dirigeant dominicain ou dans yeux, eh bien, il méritait pour le condamner. Yo étonné, parce que ça pas arrivé facile dans l'histoire pays d'Haïti pour un dirigeant qui était avec caractère devant la République dominicaine pour le dire ça n'a fait aller pas bon. Et l'MT ministre des Affaires étrangères et l'MT premier ministre, et qu'on y a, moi pas ministre encore. Moi toujours gagné même position. Moi garde une constance dans position par rapport aux ultranationalistes, par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti est capable de tourner arrière-cour. Ça nous dit que le pape passé. Peuple haïtien, jeunesse pays. C'est mon tankou nous qui fait l'histoire. C'est mon tankou qui fait l'histoire. Soyez toujours juste dans vos prises de position. Mais, pigano jam peu, ayez le courage de votre conviction. C'est ça qui caractérise comme ministre des Affaires étrangères, qui croit que une mission c'était défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, fais avec fierté, avec honneur. Chaque fois pour me défendre dignité haïtienne, à Haïti, ma fèl, quelle que soit conséquence là. Moi, te connais, différentes positions que me prends pour Haïti et Haïtien, te ka causé en pile ennui. Même te assumé yo. Moi, te assumé yo. Je dis à peuple haïtien, sous cause ça même. Et me le dis non, cause ça son cause réelle. Faut nous faire en pile attention à distraction, diversion et faut nous veiller très yo. Il y a en pile position qui va le prendre parce que nous connaissons il y a en pile gros intérêt. Mais moi capable dit nous ça nous démontré récemment 3 septembre là dans hôtel Caribé il voulait dire que nous capable faire voir nous passer. C'est suite à position nous prend qui était clarifié ou ensemble de position nous prend qui fait dominicain yo particulièrement Louis Abinadel qui son président tout le monde connaît qui en perte de vitesse dans pays mais qui joignent une occasion pour rallier
ultranationalistes de elle en utilisant Haïti et en utilisant Claude Joseph. Nous connaissons déjà que Claude Joseph, ti Claude, pas péchaï. Mais qu'on y a nous-mêmes, ça qui se passe là, c'est une occasion pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous construire un Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. C'est pas pour ça, Papa Dessalines t'est mort. C'est pas pour ça, Christophe t'a travaillé. C'est pas pour ça, Toussaint t'a travaillé. Donc, moi, recevoir, moi, accepter et moi, croire que décision ça, lui fait honneur. Il pas sanctionné. Parce que déjà, moi-même, côté qui est important pour moi, c'est la caille, moi, Haïti. C'est ça que fait. Je fais choix pour me rester dans le pays. Moment ça, nous devons dépasser simple individu qui est Claude Joseph là. Qui était ministre des Affaires étrangères, qui était premier ministre. Nous devons regarder Haïti. C'est un moment pour nous coller les épaules. L'église, l'école, famille, politique, yo. En nous coller les épaules. En arriver où est-ce que nous sommes capables de construire vraiment un Haïti dans la dimension de l'histoire. Moi, je voulais conclure pour me dire nous. Décision ça, il pas intimidé. Au contraire, il ban plus force pour me battre pour pays. Au contraire, il ban plus force pour me battre pour haïtiens qui vivent tout côté mais qui a subi mauvais traitement. Mais il ban surtout plus force pour nous ranger la caille nous. Haïtiens fait action nous yo, pas quitter pays en masse pour y aller mourir dans la mer ak nan rage. Donc il est important moi-même pas oublier peuple haïtien. Moi t'ai ministre affaires étrangères. Moi t'ai défendre intérêt pays. Chaque fois occasion présentée, moi pas jamais pas défendre intérêt pays. Quel bagaille nous connaît? Il y a un pilote nous pas connaît. Historien yo va écrire. Il y a monde qui peut lire l'histoire. Moi choisi faire l'histoire. Moi choisi défendre pays, moi choisi travailler pour pays. Je dis à situation pays a pas bon, mais pas oublier, c'est pas seulement de façon conjoncturelle pour nous regarder. Gagner un système, gagner une mise en place de un système qui sont système générateur d'extrême pauvreté, d'injustice et d'inégalité. C'est système ça, je ne voulais casser. C'est lui-même, je voulais bailler carton rouge. Système ça. L'échita sur la capture de l'État, l'échita sur rente, avec en pile rentier. C'est lui pour nous combattre. Et c'est lui même ensemble que jeunesse là, le bail carton rouge. Nous pas suspendre bail système dans carton rouge. Nous pas suspendre bail gardien avec bénéficiaire système dans carton rouge. Parce que si nous pas casser système là a cassé nous. Mais attention, faut nous faire une différence entre les systèmes qui ont renouvelé tête li et les renversements qui ont parlé à arriver. Système là sont systèmes qui sont pilotage automatique. Chaque fois système n'a arrivé dans bout li, les renouveler tête li automatiquement. Renouvellement c'est système n'a fait. Mais renversement c'est nous qui a fait. Jeune pays, peuple haïtien, on invite nous pour nous mettre main ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toute institution importante, yo, on invite nous ensemble pour nous casser ce système-là, pour nous bailler Haïti une chance. Très bien. PM Claude Joseph, vous faites appel ensemble avec plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti. Vous parlez de l'église. Faut préciser, parce que quand y a là, nous avons tellement de problèmes avec qui sont l'église-là. Faut préciser pour nous l'église-là. Qui l'église? Qui est-ce qui vient représenter l'église? Qui tête? Est-ce que l'église a de nouvelles têtes là-dedans? Qui groupe moun justement qui est en tête l'église? Ça alimente, c'est des questionnements. C'est des questionnements et faut que nous prenions responsabilité non pour nous voir connaître exactement qui moun qui est capable de représenter l'église dans le pays ça. Parce que moi crois que monsieur fait payer trop mal, monsieur fait payer trop crime. Est-ce que vous comprenez qui sont bagarre l'église ça? Parce que moi ouais l'église dans tout le président, ça étonne nous en pile. L'église protestante dans tout le président, l'église catholique dans tout le président. Ça étonne nous en pile. Quelle pratique que nous pas gagné la caille nous.
là nous voyons ils ont épaté nous. Est-ce que vous comprenez? Leur fait appel ensemble avec autorité dans l'église, faut qu'on t'a précisé pour nous. Parce que nous pas parler des mondes qui gagnent 100 peuple là en bazong yo, nous pas parler des mondes qui gagnent 100 président en bazong yo comme pasteur, comme prêtre catholique. Ou pas tout le temps dans le pays d'Haïti, toute crise que yo baou, même les secteurs qui mette crise ça, qui mette situation difficile là, c'est même secteur là qui voyons cardinal baou, on prête l'église catholique comme modérateur ou comme si un monde quelconque. Non secteur soit comment les sociétés civiles qui travaillent pour eux encore c'est eux même voyez comme monde qui pouvaient porter solution président c'est eux même encore qui cachaient derrière problème non ça veut dire que je dis hein, faut que nous connaissions exactement avec qui est-ce que nous en a fait et avec qui est-ce que nous cachita parce que des monde vraiment yo c'est mal absolu yo symbolisé la criminalité assassinat kidnapping même. Est-ce que vous comprenez? Vous faites tout ça qui mal dans le pays. Il y a des gens qui faut nous éviter. Il y a des gens qui faut nous dépasser. Et ça fait que je dis ça honnêtement. Il faut que tout aille se connaître. Il n'y a pas de gens qui menacent. Parce que je dis ça honnêtement. C'est violence qui mène violence. C'est violence qui traîne violence. Ils font violence sur nous. Ils tuent le peuple là. Ils tuent le président du peuple à voter. Ils prennent pouvoir. Ils continuent à intensifier la violence sur nous. Est-ce que nous sommes capables de tolérer ça? Nous sommes capables de bois croisé? Nous ne sommes pas capables de bois croisé. Il faut que nous fassions des choses qui sont concrètes. Et je dis, il y a des gens qui nous acceptent que nous ne sommes pas là. Il y a des gens qui nous disent que nous ne sommes pas là sur quelque chose. Et quelque chose de Jean Virel, nous ne sommes pas capables là du tout. Nous ne sommes pas capables de faire ensemble du tout. Il faut que nous clair sur ça. Il y a des gens dans le pays hein, ou pas capable de faire rien ensemble avec elle. Et c'est écarté par n'importe qui moyen. C'est fond bagarre ensemble avec elle, même gens qui font crime sur le peuple là. C'est pas qui normal. Parce que des gens ou pas capable de faire outre ensemble avec elle, ou pas capable de faire rien ensemble avec le pays hein. Ou à parler de l'autre Haïti. Ou à parler de l'autre société. Mais comment on va le faire? Avec des mouns qui va gagner de pays dans tête yo. Comment on va le faire avec des mouns qui voient que c'est bataille politique seulement pour joindre aux pour le soucer et puis pour battre un jeune cher pour gagoter. Comment on va faire payer avec mouns yo? Et ça fait, je dis, moi dis ça clairement, bataille que nous avons pené, nous supposons redéfinir stratégie combat. Qui ça que lié? Parce que nous prenons pile temps à parler de boulos, 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 pas vrai? Moi conscient de ça. Mais qui est-ce qui fait Boulos pour voir quel gagne? Parce que Boulos pas jamais ministre, il pas jamais directeur général, il pas jamais mazak, il pas jamais délégué de ville, il pas jamais président. Qui est-ce qui va pour voir quel gagne? C'est des politiciens. Je dis automatiquement déraciner les politiciens ou foutre disparaître, pas de Boulos encore. En nous rendant Boulos vulnérable, pour nous faire, c'est couper toute racine Boulos. Racine Boulos, c'est Pierre Espérance. Racine Boulos, c'est Marie-Hélène Gilles. Racine Boulos, c'est Samuel Madistin. Racine Boulos, c'est Liliane Pierre-Paul. Racine Boulos, c'est Jean Monnard. Racine Boulos, c'est Nelan Kassima, Jean-Michel Doncato, Gilles Ludor, Youri Latortu. Racine Boulos, c'est toute ravette politique yo qui fait Boulos salir, je ne le dis. Boulos pas de gondola. Boulos t'invite dans une bouteille. Ça qui fait le multimillionnaire. C'est l'argent pays. Dis-moi qui l'argent Boulos t'a cherché dans notre pays, tu viens investir dans le pays. Dis-moi qui investisseur, Zami Boulos, pour le stade chercher dans notre pays pour rentrer dans le pays, pour venir injecter l'argent dans l'économie pays. Ça ne va jamais faire. C'est propre l'argent pour qui fait des millionnaires. Ça veut dire que nous sommes millionnaires tout à nous prendre responsabilité, nous non. Mais je veux dire, c'est vrai combat pour que nous fassions. On nous met tête nous ensemble pour nous garder comment nous sommes capables de retirer Haïti en bas griffe coalition d'assassins, qui sont des Syriens Libanais. Est-ce que vous comprenez? Faut ne pas perdre du temps. Faut ne pas perdre du temps. Et faut que nous ne pas perdre du monde tout. Faut qu'on pas mourir non plus. Parce que ce qu'on est que bataille pour changer le pays d'Haïti, bataille pour retirer Haïti en bas griffe criminelle, c'est dans le dialogue qu'on fait, c'est dans le passé maintenant tout qu'on fait, nous avons tous nous tous même gens autour de Jovenel Moïse. Si Jovenel Moïse comme président de la République, pas passé maintenant tête assassin, nous garantissons, il a plat toujours, et Haïti, t'as bon à arranger les chita, à courir sous le changement. Et parce que Jovenel Moïse t'a fait bataille à moitié avec monsieur yo. Li parle, nèg pété courir, et puis elle gonfle les forces à l'étranger, et puis vous voyez l'argent venir tout le président. Mais si c'est moi, Dimitri va pas taper là. Automatiquement, soit en bas code, ou du moins sous pas là du tout. Parce que moi, sous même, vivre comme si
Moi, sous même pour la possibilité avec 12 millions d'habitants fonctionner, ce n'est pas normal. Et dans tout pays, dans le modèle comme ça. Quand on peut la majorité, je dis une bataille par nous, on sait faire tout ça que nous connaissons pour éradiquer ce groupe criminel, ce groupe assassin, qui sont sans peuple là. Je dis à moi comprendre le combat que Dr. Joseph a mené. Mais il faut que, clair avec la population, l'homme parle des secteurs religieux, l'église, etc. Il faut qu'on dise exactement ce qui est. Parce que nous connaissons que l'église, tout est président. L'église rentre les âmes pour tout le peuple là. L'église déstabilise le pays. L'homme parle de l'église. Il faut qu'on fasse sans hypocrisie. Il faut qu'on dise de nouvelles têtes en dans l'église. Parce que là, des prêtres catholiques rentrent dans le trafic d'âmes dans le pays. Ça veut dire que la société a fini complètement. Pour nous-mêmes, c'est à l'église seulement qui est arrêté, mais pas avec l'église encore. L'église aurait des âmes pour tout le peuple là. Ils ont fait business avec cartouches. Est-ce que nous là? Pas de tes langues. Il faut que nous ne passions pas quatre chemins. Je dis c'est attaquer le problème exactement dans la racine. Non. C'est ça pour qu'elle fait. Haïti a besoin des hommes et des femmes qui ont caractère, qui ont courage pour battre avec criminels et attaquer criminels directement, pas passer par quatre chemins. Même ça fait que je n'ai pas de problème ensemble avec la bataille que Claude Joseph a menée. Hein? Parce que moi, je les ciblais exactement ces blancs. Véritable problème, non. Et nous, ouais, nous répondons. Parce que yo senti que l'on vient sur yo. Parce que imaginez, le boulot attaque ou. Comme premier ministre, ça veut dire exactement ça veut dire, oui. Les propositions, boulot sont libanais. C'est des Syriens. Yo ses amis. Autorité dominicaine. Et boulot tout est président. En nous, faut retraire dans le chercher qu'on est. Colombien qui dépasse la vie dominicaine, qui joue un avion privé pour entrer à Haïti ensemble avec yo. Et Colombie, ça a le président. C'est des questionnements. Enquête sur assassinat président Jovenel Moïse, là, on n'a pas pris ça avec elle. Moi, je crois que si FBI, si les États-Unis d'Amérique voulaient, il y avait visage, il y avait image pays, dans le cadre de ça. Parce que de ça, c'est compliqué. Et que les Haïtiens qui comprennent, qui observent, qui analysent, qui voient que le dossier, il paraît flou. Et si États-Unis d'Amérique, si les États-Unis d'Amérique voulaient, ils sont capables de porter lumière dans le cadre de dossier. Parce qu'il y a toute possibilité, il y a toute piste dans le yo. Et il y a pouvoir pour ça. Il n'a pas avancé. Avec Dr. Claude Joseph. Mais renversement, c'est nous qui avons fait. Jeune pays, peuple haïtien, on invite nous pour nous mettre main ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toute institution importante, on invite nous ensemble. Pour nous casser ce système-là, pour nous bailler Haïti une chance, pour nous gagner un autre pays, pour nous construire Haïti à la dimension de son histoire. Peuple haïtien, Frère Maxime, vous voulez dire nous ça pour nous finir. Ou dans la bataille, nous avons mené, veillez conseil, veillez traite, parce que la bataille contre l'ultranationaliste dominicain qui voulait fait Haïti tourner ti la cou derrière la caillou, pas un jouet de bataille. Il y a en pile intérêt qui est en jeu. En nous veiller traite yo. En nous veiller conseil. Mais surtout, en nous mettre main ensemble pour nous construire Haïti dans dimension histoire. Merci en pile. Peuple haïtien, Frère Maxime qui vit en Haïti, Axila qui vit dans diaspora. Moi content pour moi avec nous à soir. Ça fait un bon petit temps nous pas gagner ti parler ça yo en direct. Je dis à un objectif ti parler ça, c'est parce que gagne en pile journaliste en Haïti ou à l'étranger qui a prélim pour demander une réaction sur dernière décision président Luis Abinadel prend pour interdire entrer en République dominicaine. Les haïtiens, nous connait qui ça déjà qui motivé décision ça. Décision ça c'est parce que nous connaissons ma bataille contre le racisme, contre l'anti-haïtianisme à l'égard de nos frères et sœurs qui vivent en République dominicaine. Frère Maxime, nous connaissons, c'est parce que moi j'ai des positions claires sur la question Rivière Massacre. Rivière Massacre, c'est une ressource en eau partagée.
il y a un traité international que deux pays aussi un qui dit mais comment ils sont capables d'utiliser les ressources que ils ont en commun. Traité ça, les relais, traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage, les signé en 1929. Dominicain yo, et traité ça dit d'abord que nous devons utiliser les ressources yo de manière juste et équitable. Dominicain yo prend 11 prises bon côté par yo sur rivière. Première prise que nous allons prendre sur rivière, Dominicain yo veut faire pression sur nous. Moi-même, l'emte ministre affaires étrangères, moi te dit n'a continuer travail là, nous pas prendre pression dans main République dominicaine parce que aucun pays étranger pas doué faire injonction sous Haïti pour camper sous travail la fait sous territoire. Bagay ça pas de fait dominicain ou bien du tout. Yo te tann là ou te assassiné président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 ou bien après président Jovenel Moïse fin assassiné pour yo te fait injonction ou bien mandé nouveau gouvernement pour pas faire travail là. Faut me dire nous que travail ça nous t'a fait sous rivière massacre là. Li t'a quoi irriguer ou bien arroser 3000 hectares de terre dans bas plaine Maribaou dans département nord-est pour permettre paysan yo capable aller on souffle dans quelque production agricole. Frère Maxime yo nous connaît raison déjà. C'est parce que moi dénoncé à plusieurs reprises comment président Abinadel a utilisé question Haïtia pour le café tête li on santé politique la Kaili et pour le assurer un leadership dans la région. C'est pas parce que le généreux, c'est parce que effectivement l'a utilisé Haïti comme un pion. Et moi-même, moi j'ai une chance et chaque fois j'ai occasion alors moi dénoncer ça. Nous connaît pour qui ça? C'est parce que ma bataille contre traitement que haïtien fait action nous après en République dominicaine en bas main ultranationaliste. Nous connaît pour qui ça? Nous connaît c'est parce que ma bataille moins pas vle que ultranationaliste croit que yo ka fait Haïti tourner si la cou de la caillou. Si la cou de la caillou politiquement et économiquement. C'est pour raison ça yo qui fait Luis Abinadel sorti décision pour le dire moins pas ka rentrer en République dominicaine. Frère Axemio, moi dois dire nous ça. Moi pas considérer ça comme une sanction. C'est pour moi un honneur parce que m'a continué bataille, décision ça, li pa intimider. M'a continué dénoncer abus qu'a fait sur haïtien yo. M'a continué exiger que relation nous gain avec République dominicaine nan son relation qui harmonieuse, son relation qui fait dans la paix, mais son relation qui aller dans respect une pour l'autre. M'a continuer mandé ça parce que moi-même, l'aime te chancelier, moi te développé de très bons rapports avec République dominicaine. Même pas de jamais raté une occasion pour me te dire si yo vle gen bon rapport avec nous, même j'en vle gen bon rapport avec yo, faut que suspend utiliser dans discours officiel yo de thèmes très péjoratifs sur Haïti et haïtien. Nous songer expérience ça. L'aime ta en République dominicaine, moi t'ai rencontré avec président Abinadel, moi t'ai rencontré avec ministre affaires étrangères là, moi t'ai dit ça clair. On nous suspend avec narratif négatif yo sur haïtien à Haïti. Ça veut dire on suspend pas Haïti à haïtien mal. Mais si c'est ça qui fait que me signe une lettre condamnation, moi déjà condamné. Frère Axemio, je dis ya, c'est extrêmement important. Si Luis Abinadel prend décision ça, c'est parce que il pensait en Haïti pas gagner un bon patriote. C'est parce que il pensait nous qu'a quitter décision passer comme ça. Au monde qui était ministre affaires étrangères, qui était premier ministre dans pays, ou mettait dans une liste bon côté de chef de gang. Il voulait dire qui ça? Il voulait dire que chaque fois qu'un dirigeant haïtien qui campait pour dénoncer mauvais traitement, qui campait pour dénoncer abus que haïtien yo a victime dans la République dominicaine, eh ben li se yon gang. Chaque fois gen yon haïtien qui dit camper garder dominicain, dirigeant dominicain yo nan yeux, eh ben li mérité pour le condamner. Yo étonné parce que ça pas arrivé facile dans l'histoire pays d'Haïti pour gen un dirigeant qui rete avec caractère devant République dominicaine pour le dire yo ça n'a fait ali pas bon. Et
l'emte ministre affaires étrangères et l'emte premier ministre. Et qu'on y a, moi pas ministre encore. Moi toujours gagné même position. Moi garde une constance dans position par rapport aux ultranationalistes, par rapport aux racistes dominicains qui croient que Haïti est capable de tourner arrière-couille. Ça nous dit que le pape passé. Peuple haïtien, jeunesse pays. C'est Mountakou nous qui fait l'histoire. C'est Mountakou qui fait l'histoire. Soyez toujours juste dans vos prises de position. Mais pigano jam peu. Ayez le courage de votre conviction. C'est ça qui caractérise comme ministre des Affaires étrangères, qui croit que une mission c'était défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, fais avec fierté, avec honneur. Chaque fois pour me défendre dignité haïtienne et Haïti, je fais, quelles que soient les conséquences. Moi, je connais différentes positions que je prends pour Haïti et Haïtien, je peux causer un pile ennui. Même je peux assumer. Moi, je peux assumer. Je dis à peuple haïtien, sous cause ça même. Et je dis non, cause ça, son cause réelle. Faut nous faire un pile attention à distraction, diversion, et faut nous veiller très tôt. Il y a un pile position qui peut le prendre, parce que nous connaissons, il y a un pile gros intérêt. Mais, on est capable de dire non. Ça nous démontre récemment, 3 septembre, dans l'hôtel Caribé, l'Ivle dit que nous sommes capables de faire voir nous passer. C'est suite à la position nous prend, qui te clarifié ou ensemble de positions nous prend, qui fait Dominique Ayo, particulièrement Luis Abinadel, qui son président, tout le monde connaît, qui en perte de vitesse dans le pays, mais qui joint une occasion pour le rallier ultranationaliste de elle, en utilisant Haïti et en utilisant Claude Joseph. Nous connaissons déjà que Claude Joseph, Ti-Claude, Papéchaï. Mais qu'on y a nous-mêmes, ça qui se passe là, c'est une occasion pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous construire un Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Ce n'est pas pour ça que Papa Dessalines est mort. Ce n'est pas pour ça que Christophe t'a travaillé. Ce n'est pas pour ça que Toussaint t'a travaillé. Donc, moi, recevoir, moi, accepter et moi, croire que décision ça, lui fait mon honneur. Il n'est pas sanctionné. Parce que déjà, moi-même, côté qui important pour moi, c'est la caille moi Haïti. C'est ça que fait. Je fais choix pour me rester dans le pays. Moment ça, nous devons dépasser cet individu qui est Claude Joseph là, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était premier ministre. Nous devons garder Haïti. C'est un moment pour nous coller les épaules. L'église, l'école, famille, politique, yo. En nous coller les épaules, en arriver où si nous capables de construire vraiment un Haïti dans la dimension de l'histoire. Moi, je voulais conclure pour me dire, décision ça, n'est pas intimidée. Au contraire, elle me plus force pour me battre pour le pays. Au contraire, elle me plus force pour me battre pour les Haïtiens qui vivent tout côté, mais qui ont subi mauvais traitement. Mais il y a surtout plus force pour nous ranger la caille nous. Haïtiens, frères actionnaires, ne pas quitter le pays en masse pour aller mourir dans la mer et dans la rage. Donc, il est important. Moi-même, pas oublier, peuple haïtien. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Moi, je défends l'intérêt du pays. Chaque fois, occasion présentée, moi, pas jamais pas défendre l'intérêt du pays. Quel bagaille nous connaissons? Il y a un pilote nous pas connaît. Historien yo va écrire. Il y a monde qui peut lire l'histoire. Moi choisi faire l'histoire. Moi choisi défendre pays, moi choisi travailler pour pays. Je dis à situation pays a pas bon. Mais pas oublier. C'est pas seulement de façon conjoncturelle pour nous regarder. Gagner un système. Gagner une mise en place de un système
qui sont systèmes générateurs d'extrême pauvreté, d'injustice et d'inégalité. Ces systèmes ça, jeunes yo vle casser. C'est lui-même yo vle bay carton rouge. Système ça, l'échita sur la capture de l'État, l'échita sur rente avec en pile rentier. C'est lui pour nous combattre. Et c'est lui-même ensemble que jeunesse là vle bay carton rouge. Nous pas suspendre bay système dans carton rouge. Nous pas suspendre bay gardien avec bénéficiaire système dans carton rouge. Parce que si nous pas casser système là a casser nous. Mais attention. Faut nous faire une différence entre les systèmes là à renouveler tête li et les renversements n'a pas lié à arriver. Système là sont système qui sous pilotage automatique. Chaque fois système là arrive dans bout li, les renouveler tête li automatiquement. Renouvellement c'est système là qui fait. Mais renversement c'est nous qui fait. Jeune pays, peuple haïtien, on invite nous pour nous mettre main ensemble. L'église, politique, famille, l'école, toute institution importante, on invite nous ensemble pour nous casser ce système-là, pour nous bailler Haïti une chance. Merci en pile, c'était exactement Dr. Claude Joseph, justement, qui t'a intervenu et tout de suite après. Et le président dominicain a sorti, il a pris un arrêté présidentiel pour interdire Dr. Claude Joseph pas rentrer sur le territoire dominicain. Et ça a quitté et soulevé collègue tout haïtien en général, toute autorité haïtienne qui a une conscience. Okay? C'est là que vous constatez que le président dominicain mettait ancien premier ministre haïtien, qui c'est Dr. Claude Joseph, sur une liste qui a des criminels notoires, des kidnappés, des assaillants, qui gagnent l'amour sans jour. L'amour sans jour, c'est une année qui gagne pile d'âmes qui sont l'autre bord frontière quelque part. Ça veut dire que nous trouvons ça inacceptable et que si pays a une autorité, il va d'après tout croiser. Et moi, je crois que si tu es ministre des Affaires étrangères, depuis hier, tu as une action qui pose. Si tu es un gouvernement qui est légitime dans le pays d'Haïti, qui n'est pas tout le président, tu as une action qui pose concrètement. Et je suis sûr que matin là, pas d'ab gen frontière qui t'appauvri. Pas d'ab gen frontière qui t'appauvri. C'est automatique. De façon automatique qui t'a fait. C'est pas dans la guerre que nié. C'est pour nous reviser, pour faire refaire Dominique, reviser Kayo. Si c'était Jovenel Moïse qui était au pouvoir, ou t'es fait ça, matin, l'on t'appelait vous d'ab jeune, frontière, perdez dans la sapite, fermé. Frontière, j'ai ma animal passe, fermé. Ou d'ab jeune, Elias Pigna, fermé. Ou d'ab jeune, d'abon, fermé. Tout l'autre petit coin que nous gagnons, frontière, complètement fermé. Et puis, bus dominicain, complètement fermé tout. Le produit dominicain commence à gaspiller sous frontière, il n'y a pas qu'à rentrer en Haïti. Le samedi, on est si président dominicain, pas tap tourner sous décision là. Et si pas tap excuser le tout, sous même document qu'il te écrit. Ce n'est pas possible. Et ça, il m'a dit, faut qu'on soit haïtien. Faut qu'on soit patriote pour une position ça. Sinon, ou même j'avais que c'est, pas oublié, parce que pas oublié. Je dis que je ne parle pas là. Jean Risséan, son ancien premier ministre, la vive en Dominicani. La ville capitale Santo Domingo, c'est la boîte à fial, fait créer avec une jeune femme. Et puis, il a gardé pour le comme si il a fait un premier ministre haïtien ça. Mais ça ne va pas dire rien. Parce qu'ils sont voleurs, ils sont corrompus, ils sont vicieux, ils ont tout le président, ils ont qui viennent cacher là. Ça veut dire que ce n'est pas mon comme si d'adou, cap jamais levé, cap jamais dit un mot. Dans ce qui a passé là. Nous devons prendre responsabilité nous comme peuple. Et nous devons camper beaucoup de monde qui défend nous. Monde qui prêt pour prendre position pour nous. Monde qui propre. Parce que nous besoin de nouvelles têtes. Monde qui propre. Monde 86, yo pas monde encore. Yo pas gagné comme monde yo encore. Monde 86, yo pas monde. Yo fini. Moi prigé yo pas gagné crété là dedans yo. Yo pourri, c'est pas pour jeter dans poubelle. Pas gagné yo capable faire avec un politicien 86. Pas grand yon capable faire avec un journaliste 86. Tout c'est des produits expirés que yon, c'est des criminels notoires que yon. Yon pas grand yon de positivité que yon capable porter. Yon pas grand yon capable porter pour pays d'Haïti capable soutenir ça que yon là. Peuple haïtien, nous va prendre responsabilité nous pour nous faire bataille ça définitivement. Parce que si nous pas faire, nous allons continuer à faire sur nous. Yon prend avantage à sur nous et yon prêt pour retourner nous, pas n'importe qui moyen. Moi maintenant, pile, rendez-vous cassé pour 6h après-midi à la même sur la plateforme Banoan, qui est la plateforme YouTube InfoBeto. Kebela, c'est un plaisir d'avoir nous. InfoBeto.
Gardez tout ça, m'badage avec. Ou pas comprendre que m'le fait valer. Non, m'ba m'gain l'autre après. Tout ça, y'a pour pas j'en suffis. Pendant pas prémé, ouais, m'ka souffri. Ou quand même j'allais faire m'appeler découvrir. Quitte, bébé. Si ou pas qu'à gérer, faut pas forcer m'aider. Jalousie nous dégoûter, les années qu'à continuer.